On s'est rencontrés dans le bus. On était à côté, en fait. On a sympathisé. Puis après, bah, quand il y a eu le moment de faire les tentes, on est venu dans les tentes. Le déclic, peut-être, j'irai un peu plus, ça a été le premier jour. Bah, j'ai eu un gros coup de dur parce que vraiment, j'avais attaqué dur. Et puis là, il est arrivé avec ses bâtons. Donc voilà, je pense que... Belle rencontre. Très belle rencontre. Très très belle rencontre. Je pense que c'est certainement pas notre dernière course. Quelque chose qui s'inscrit certainement dans la durée. Mais plus que ça, je pense que ce qu'on a créé ensemble durant cette course-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a passé 30 heures dans le désert, ça renforce les liens, quoi. C'est quelque chose qui est costaud, quoi. Costaud pour nous deux, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Et le fait de partager l'effort, c'est un truc... t'oublies pas, quoi. Tu peux pas oublier. On est au milieu de rien, mais on manque de quoi? De rien. On a rien. Regarde où on vit. Tu vois? Je pense que c'est une belle tranche de vie, tranche d'amitié, tranche de partage, la camaraderie en plus dans la tente, tu vois, on se connaissait pas. Non, c'est un truc... c'est du lourd, là. Ça va, Hervé? On est au top, Annie. Ah, super, plus qu'un point de contrôle. Hervé, là, il est en pleine forme. Vraiment en pleine forme, je suis fier de lui. Je pense qu'il est en train de nous faire un magnifique parcours. Je me réjouis de voir un peu plus tard, lui serrer la pince une fois qu'on aura passé l'arrivée.